Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Comment installer de nouveaux thèmes dans WordPress? On va sur le site, on rentre en administrateur pour accéder au tableau de bord. wp-admin. Identifiant. Là, on va sur apparence thème. Par défaut, nous avons deux thèmes, 2011, 20. Gérer les thèmes, ça c'est les thèmes par défaut. Si on a déjà installé des thèmes, on peut en avoir un deuxième ici, un troisième. Donc nous, installer des thèmes. Ici, mise en avant, les thèmes mis en avant, les plus récents, mise à jour. Si on clique mise en avant, nous avons certains thèmes. Pour installer un thème, installer maintenant. Les plus récents. Mise à jour, les thèmes les plus récents mis à jour. Ici, si vous connaissez un thème, un nom de thème, vous pouvez rentrer le mot-clé. Nous, par défaut, on a un 2011, on va rentrer 20. Un mot-clé pour voir ce qui se passe. Et là, il nous affiche les thèmes commençant par 20, ceux qui font partie de la famille des 20. Installer. Donc installer maintenant, on va prendre celui-là. Le téléchargement de l'archive, décompression, installation du thème et le thème a été installé. Bizway 1.5 a bien été installé. On peut le prévisualiser, on peut l'activer, on peut retourner sur l'installateur de thème. On revient sur thème et comme je vous disais précédemment, le thème a été installé ici, c'est-à-dire il est en attente, il est là, il est installé. Pour avoir ce thème par défaut, vous voyez, thème actuel, c'est celui que nous avons actuellement. Voici, ça c'est le 2011. Nous, on va activer le nouveau. Activer et voici. On va voir. F5, on rafraîchit. Et nous avons le thème. Là, nous avons un slide bar, des articles, un pied de page. Donc nous avons bien notre page d'exemple. Ma nouvelle page, contact. On retourne au tableau de bord. Ce thème, thème option. Get this way. Voilà. Là, il a des options bien à lui. On peut aussi acheter le thème pro. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, là il y a le logo. Si vous téléchargez un logo, il va venir se remplacer ici, une fois que vous avez sauvegardé, et remplacer celui-là. Voyons si j'ai un logo. Celui-là.
il doit voir, voilà, save, comme de partout, un mise à jour, save, ou sinon, ce n'est pas pris en compte. Voici, le logo a été changé. Quoi d'autre? Custom, tracking, home page setting, first heading. Je le découvre avec vous. First heading, first heading, second heading. Ça doit être celui-ci, je pense. Le titre du site et le slogan. On va mettre nouveau titre. Pour aller plus loin. Nouveau titre pour aller plus loin. Donc c'est à vous de voir les possibilités que vous avez avec ce thème par rapport aux options du thème par lui-même. Slider setting, slider setting, on va voir ça, slider, peut-être ça serait ça. On va prendre une page d'exemple pour voir, voilà, non, c'est ici. Future area, ça je pense que c'est ça, ça et ça. On va aller voir. Eh oui, donc bien sûr, il faut mettre les images aux normes, le test coucou, le deuxième texte, c'est celui-ci qu'on changera. Styling option. Et après, ben, les pages, on peut éditer des pages, ajouter. Voir pour test, cette page n'y est pas, donc je publie. Je rafraîchis pour test. Là, on la veut plus. Voilà. Donc c'est à vous de découvrir les possibilités et de monter votre thème par rapport à vos préférences. Je vous remercie. Au revoir.